Johnny. Salutations petit capitaine et grands amiraux, ici Starcade votre hôte et nous sommes sur retour sur le monde des navires de guerre World of Warships avec une division de sacrés sacripants, n'est-ce pas? Nous avons Emeric Jan 04 qui joue le Faragut, Zupsole qui joue le Pidioni et Misavienda qui joue le Anchan. Donc ils sont en bataille de rang 6 à 8 je crois et donc ils sont désavantagés normalement. Alors on va voir ce que notre cher Emeric va faire avec son Faragut. Faragut, eh oui. Ah, ouais. Les camouflages qui flash, un peu flashy. Dans les environs, là, c'est fait terrible. Donc, ils sont sur piège. Qu'est-ce qu'il y a en face? Lexington. Ouh, pas ça. Alors, Rijou et Lexington, donc deux porte-avions. Richelieu, Amagi, Gneisenaub, Newexico pour les cuirassés. Chapayev, York, Shors, Aoba pour les croiseurs. Aigle et Fushun pour les destroyers. Et chez eux, il y a Lexington, donc ok. Ruijo aussi. Massachusetts, Amagi, Lyon, Bayern pour les cuirassés. Massachusetts a un petit avantage quand même. Sauf que Richelieu, il a aussi normalement des secondaires qui font très mal. Cleveland, New Orleans, Miyoko et Bidioni. Donc bon, voilà. Notre ami, le Faragut de Emeric, fonce sur B. C'est parti, fonce sur B. Va-t-il prendre B? Va-t-il être arrêté par d'autres? Ah ben là, ça commence à se frapper fort au nord, au niveau de la DCA. Pom 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 pom. Eh ben oui. Oh, un destroyer qui rentre dans la base B. Il a été visible que quelques secondes, même pas, une demi-seconde en fait. Il doit être dans environ là par là, il commence à entrer. Quoique non, il n'est pas entré. Hein. Puisqu'ils prennent la base. Non, ça capture. Ça. Ouais, ne pas se faire voir de l'aigle surtout et essayer de le surprendre par torpillage. Bien joué, il n'a pas tiré dessus. Ouais, j'aurais été un peu bête, j'aurais tiré dessus, je pense. Voilà. C'est bien. Surtout contre celui du Ruijo là c'est hyper efficace en fait. Les Américains sont super en anti-aérien contre les Japonais quoi, c'est pas balèze. Surtout ils sont très bien anti-aérien tout court d'ailleurs. Voilà, allez adieu. Au niveau de torpille, il est un peu. Il est just ou pas? Ouais il est just parce qu'il va l'autre et il sera déjà parti plus longtemps. Radar de surveillance. C'est bon. Le porte-avions a placé ses chasseurs où je vois pas trop si. Il a passé juste devant là, 4,8 km, donc juste devant, ouais. Pourquoi pas. Ouais. Largage torpille à 6,4. Je pense qu'il a accéléré ses torpilles, c'est pour ça qu'elles sont à 6,4, je crois qu'elles sont à 8 de base. Mais je suis pas trop sûr. Je connais pas bien les destroyers, c'est bien les destroyers pour ça. Missa donc se met en position aussi. Ah le voilà, l'aigle. Il est temps. Alors l'aigle c'est quand même un sacré morceau. Hein, c'est un mini croiseur donc regardez les points de structure 17 000 par rapport à 11 500 du Faragut et sans doute le Anchan doit être un peu moins. Mais bon il est quand même ce qui est bien c'est qu'ils sont deux sur lui. Donc peut-être que l'aigle va faire très mal à un des deux mais pour l'instant. C'est vraiment l'horreur parce que quand les navires sont super rapides, au niveau binoculaire c'est horrible. Surtout quand vous êtes un destroyer vous-même quoi. Bon je sais pas ce qu'il fait l'aigle, il fait un peu n'importe quoi. Il a cru pouvoir s'en sortir en essayant d'avoir les deux destroyers du milieu mais pour l'instant c'est pas réussi. Hein. Il fuit de partout, c'est l'horreur. Les torpilles passent derrière. Et surtout frapper sur Missa en fait. Il a disparu derrière. Ok. De toute façon il faut prendre B. Hein. C'est le pivot central B je pense à mon avis.
B et ensuite on peut se rabattre sur A ou sur C, ou prendre, comme disait un de nos stratèges, prendre A et C et se rabattre sur B. Mais le problème c'est que si on prend pas B, les destroyers côté sur B vous se retournent contre vous en fait, sur vos flancs. Donc bon, c'est un peu dangereux. Enfin, sauf que bon, là y a des porte-avions, donc c'est un peu difficile de surprendre. Attention. Anti-aérien, le Rigeau revient à l'attaque, alors qu'il sait très bien que l'anti-aérien va l'exploser. C'est parti. Allez, lance ton anti-aérien, toi, allez. Allez. Tu n'as pas lancé? Bon, tant pis alors. Pas de lancer d'anti-aérien. Manqué. Il le garde pour les ceux du Lexington, j'en suis sûr et certain. Je sais pas pourquoi. Il le garde en prévision, je suppose, hein. Donc il y a A et B. Alors A va être pris, je pense, parce que le croiseur seul au sud ne pourra pas tenir contre le croiseur et cuirassé. Alors soit là il oublie les anti-aériens, soit il n'en a rien à faire pour l'instant. Lexington a une Nouvelle-Orléans. New Orleans, pardon, New Orleans. Captain of Self-Control. Qui s'appelait le New Orleans. Ok. Lanshan et le Farragut. Bon, on va faire le tour des îles là, je pense. On va essayer de prendre en sandwich le Richelieu et le Gneisenau. Surtout le Gneisenau. A voir. Non, c'est un peu trop dangereux peut-être. Il y a Lexington là-bas, c'est tentant, hein. C'est très tentant d'aller taper Lexington, mais bon, c'est très ouvert, donc repéré par radar. Qu'est-ce qu'il y a radar en fait? Tchapaïef pas loin. Là, si les cuirassés continuent tout droit, ouais, gardez un lanceur quand même. Garde un lanceur, mon petit. Parce que sinon, il va s'éloigner, il va pas se risquer à. Quoique, on sait jamais. Il y a plein de torpilles en route. Mais là, tant pis, ils vont toutes rater en matière, à mon avis. Bon, bah, ça, c'est le moment d'hériter là. Hein. Il y a 1 minute 45 de. Des camps de fumée, donc là, ils peuvent régénérer ses torpilles et puis les tirer. Le Nazino, sans vouloir. Non, bah non, il veut rien. Le Nazino, il fait rien. Il est tout prêt, hein. Gneisenau, il est tout près, tout près, tout près. Et juste là, est-ce qu'il va se rentrer dans l'île ou est-ce qu'il va. Ah oui, il va. Hey, il vient au milieu! 31 secondes en fait avant les torpilles reviennent, c'est un avantage. Ouais, il tire un peu au hasard. 20 secondes pour les torpilles. Et le porte-avions le fait gentiment tirer sur le côté. 9 minutes, 9 secondes pour les torpilles. Il arrête de tirer ses canons. Allez, faut le finir. Missa a raté ses torpilles, mais là, c'est fini pour lui. Adios, petit Zéphyrion. Repéré, mais. Kaboum! Une seule torpille a suffi. Non, mais il était diabolique ce Eisenhower, hein. Il en voulait, hein. Il en voulait, bravo. Non, il avait des colonnes, c'est sûr. Des chouettes couilles, bien transpirantes. Bravo. Donc A et B continuent à être prises. Deux navires coulés chez les amis et trois navires coulés chez l'ennemi. Le Miyoko est bien de couler. Il s'appelle SMS Emden, le Miyoko. Excellent. Excellent. Là, je crois qu'ils vont aller à la chasse au porte-avions, les deux, là, Missa Vianda Ah, Fushun en vue! Fushun qui pensait prendre tête à revers, mais c'est pas sûr. Ah, Missa Vianda peut-être y passer? Non, ça va. Ça, c'est bon, Missa Vianda se débrouille très bien. Tout seul, tranquille. S'il n'est pas dérangé, voilà, c'est bon. Bravo, Missa Vianda. Superbe tir. Bon, là, par contre. Le Mexico revient en arrière, non. Par contre, là oui, attention aux torpilleurs. Qui vont repérer tout le monde.
4 navires détruits du côté ennemi. L'écran de fumée bientôt revenu, mais bon, c'est un écran de fumée qui reste, c'est un peu beaucoup. Ça peut pas beaucoup, je veux dire. Faut faire gaffe. Putain, en fait, c'est mitrailleuse en fait le Farragut. Il tire tous les 3 secondes. Un peu comme l'Atlanta, quoi. Sauf qu'il a que 4 canons, évidemment. Repérer radar, donc Chapaillé fait pas loin. C'est chiant parce qu'il y a un radar ou c'est le Chapaillé? C'est le Chapaillé normalement. Ouais, bon, là, il a pas trop le choix. Il est obligé de se mettre radar. Il y a 2 lanceurs, 2 torpilles prêts à être utilisés. Donc, ah oui, l'écran de fumée, pendant combien de secondes il peut le mettre? Attention, ouch, fait mal. Voilà, maintenant il faut tourner. Il y avait un deuxième du Mexico ou c'était seulement celui-là? Repéré. Et à nouveau. C'est un peu risqué de faire ça, mais bon. À la rigueur, il s'en fiche. Ouais, il s'en fiche en fait. Ouais, au moins une torpille qui touche. Je vais essayer d'éviter, mais c'est pas bon. Voilà, une torpille plus une inondation. On revient dans l'écran de fumée. Et torpille dans 40 secondes. Donc, bon, 6 km, il ne pourra pas les faire en 40 secondes, je pense. Donc, il peut se permettre tranquillement de l'assaisonner. En espérant un feu, peut-être. 5,7. secondes, ouais, il peut se permettre d'attendre. Il peut se permettre là. 20 secondes, 19 secondes, 18 secondes. Ouais, il peut se permettre largement d'attendre. 12 000 points de vie en plus. L'incendie continue. Là, l'autre essaie. Il veut l'avoir. Je veux l'avoir. Ouais, non. Tu tires un peu au hasard, c'est pas bon. L'autre est dégoûté. Il peut pas l'avoir. Les torpilles sont revenus. On est parti. Bon, un seul lancement, c'était largement suffisant à mon avis. Et là, il va avoir les torpilles, il va faire « Eh mince !» Et flux du cacaboudin. Bon, Rockwest, ce lion, l'a eu avant, quoi. Incroyable. Bon, pour l'instant, Missa, sans se débrouiller. Le Cleveland, il se prend des torpilles. Ou il se prend des torpilles en croisée, en plus. Lexington et le Rujo, en fait, voulaient le détruire. Le York, là-bas. Une minute avant le retour des torpilles. L'équipe ennemie prend C, donc apparemment l'équipe ennemie s'est fait écraser. Ah oui, largement écrasé là. Pas écrasé tant que ça, mais quand même écrasé. Je pense que le porte-avions a fait du bon boulot. Pour la protection, voilà. Donc là, il y a Missa qui est à la recherche des porte-avions là. Ah, il y a le York. Ouais, il faut le finir. Et tout au but, elle sera bienvenue. Non, ouais, bah joli! Joli! Et bah, fin de la bataille. Donc bravo à vous, les petits ADML. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous laisse découvrir les statistiques. A bientôt, ciao!
んでいる。何？